Dites-moi, voilà, dites-moi si c'est un obus, regardez. Alors, bonjour YouTube. Donc, encore aujourd'hui, petite pêche à l'aimant sur le spot où on est venu hier à Anderlecht, le pont où on a trouvé la petite bombe, le petit obus. Et comme ça, on va aussi s'occuper de pouvoir appeler la police, en tout cas faire en sorte que la police vienne ici pour prendre cet objet qui apparemment est dangereux. Donc je me suis renseigné, apparemment ça pourrait être dangereux. Des hommes, qu'est-ce qu'on va essayer de sortir, tout ça, aujourd'hui? Quantité. Quantité. On va essayer de sortir une quantité, puis de dépollution, essayer de voir si on peut encore faire un peu de ferraille aujourd'hui. À tout à l'heure. Voilà YouTube, donc je me suis chargé de mettre l'obus en responsabilité de quelqu'un qui est en train d'appeler la police. Ce qui m'arrange, hein, j'avais pas envie de le faire moi-même. Et voilà, parfait. Un grand merci à monsieur. Un grand like. Ah ben voilà, ils sont de l'autre côté. Un véhicule qui vient d'arriver en supplément. Donc ça nous fait quatre véhicules sur place. Regardez en face, donc ils ont mis un combi de police. Et ils viennent de quadriller la zone avec des banderoles partout. Donc on est à la pêche à l'aimant avec Jason. On est reparti ce matin et avant de commencer la journée, on a décidé de faire appeler quelqu'un à la police pour l'obus qu'on a trouvé. Donc la police est arrivée, Jason est avec moi, maximum de likes, hein. Maximum de likes, maximum d'abonnés. Regardez ce qui se passe donc. Ils ont quadrillé la zone, la police refuse que les gens passent. Comme vous voyez, les gens sont obligés de passer sur le côté. Et donc là où on a fait la pêche à l'aimant, c'est en dessous là. Ils ont trouvé, donc on a trouvé un obus, hein. Et donc ils ont quadrillé la zone de l'autre côté du pont là-bas. Là tout de suite c'était au-dessus aussi. Ils ont juste mis une banderelle maintenant. Et donc il y a des gens également là-bas qui essayent de passer et qui peuvent pas passer. Vous voyez les vélos. Ils disent de passer au-dessus et de traverser de l'autre côté. Donc quatre véhicules sur place pour le moment. Quatre véhicules sur place de police pour le moment pour l'obus qu'on a trouvé. Alors on va voir si l'équipe de déminage, on va voir si c'est l'armée qui se déplace ou pas. Voilà, donc troisième voiture qui s'est approchée. Donc apparemment ils osent approcher l'objet. Et là c'est la camionnette, hein. Voilà, ils ouvrent à l'arrière. Qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, ils vont prendre un sac, ils vont peut-être le sortir. Voilà, ils sont deux. Les trois flics qui sont à droite, ah ben en fait ils sont devant l'obus. Ils sont juste devant l'obus. Moi je le vois à l'œil, je sais pas si on le voit. En réalité, apparemment, je me suis renseigné avec Vivaquois, hein. Les gens qui ont averti pour l'obus qu'il était présent. Et donc apparemment, il va rien se passer de spécial. Ils ont quadrillé la zone par sécurité. Ils ont reçu d'autres inscriptions. Apparemment, ils vont juste venir chercher l'obus. Sûrement quelqu'un équipé. Bon, on va pas rester sur place. On va pas attendre. De toute façon, on filme de loin. On n'a pas trop envie de s'approcher. On n'a pas trop envie de faire les curieux de près. On le fait de loin. Et maintenant, on va aller chercher un spot à l'aimant. On va retourner là où on a trouvé toutes nos petites pépites de l'audio. Et on va essayer de faire d'autres trouvailles et de ramasser un maximum de mitraille pour rentabiliser notre journée. J'imagine que vous reconnaissez le spot derrière moi. Donc petite pêche à l'aimant. Aussi, ça fait une petite heure quand même qu'on est là. On n'a rien trouvé de spécifique à part de la ferraille classique. Et ici, j'ai comme le sentiment d'être tombé sur un chargeur, hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien un chargeur, hein. Voilà quoi, hein. Ok. Voilà, donc nous on est là pour dépolluer. Et en live, regardez ce que les gens viennent de faire. Ils viennent de jeter une poussette ou je sais pas, ouais. Voilà, en live devant nous les gars. Voilà, et nous on retire les crasses. Et il y en a qui les jettent en live devant nous. Un peu la honte, hein, pour celui qui a acheté les crasses en haut, je sais pas qui c'est. Et nous, on est en train de dépolluer en bas. C'est vous? Bien joué à Jason qui a retiré ce que les gens ont jeté en live devant nous. Donc, il s'agissait d'une petite poussette pré-maman pour les bébés. Et donc, c'est complètement débile parce qu'elle a l'air en bon état en plus, hein. Il manque une roue. Et ce sont des découvertes très impressionnantes qu'on fait ici sur ce spot, hein. Regardez-moi ça. Je suis pas fou, hein. C'est bien des balles. Regardez si je retire ça.
Oh, ça sent quelque chose, ça sent la poudre à canon, les gars. Je vous explique pas. C'est impressionnant, tout ce qu'on trouve ici. Bon, Jason. T'as vu ce qu'on a montré ou pas ? Est-ce que tu nous as trouvé un truc ou pas ? J'ai trouvé un truc. Vas-y, c'est quoi que t'as trouvé ? Suspense. Suspense. Ah ouais, évidemment, hein. Y'a pas un jour sans. Pas un jour. Y'a pas un jour sans. Ça fera une belle restauration. Montre une fois. Prends les mains. Ah. Ah mais il était bien accroché. C'est un quoi ça ? Alors, c'est quoi comme modèle qu'on a trouvé aujourd'hui ? Parce que j'en ai marre de trouver toujours les mêmes. On dirait le même, hein, on dirait un Colt 45, on dirait 100% le même que j'ai déjà fait à la resto. Voilà. Là, ça nous fait encore une belle vidéo de restauration. Hein. Pas mal, pas mal. Je suis très content aujourd'hui de nous voir. C'est quoi ça? Dites-moi dans les commentaires, les gars, si c'est de nouveau ce que je pense. C'est une bombe, les gars, non? Bon, voilà. Donc, il y a l'objet du délit, c'est. On le voit pas? On le voit pas? Ah, c'est pas grave, laisse-le là où il est. Et donc voilà, donc petit constat que la police est bien venue chercher notre objet trouvé. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Hein. Je suis sûr qu'il ne va pas sortir. Donc voilà, la police fait la constatation de l'objet. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de doute que c'est bien un obus. Merci à ce cycliste hein, qui nous a aidé à faire appel au commissariat de police pour faire le constat des déchets. En tout cas, c'est ce que le flic regarde là. Et putain, c'est quoi tous ces déchets? Bon, voilà quoi. Vous venez faire quoi avec nous ici? Je suis venu faire regarder un peu ce qui se passe là. Et qu'est-ce qui se passe? Tu t'es renseigné avant de venir? Bah oui, apparemment. Ah, c'est moi qui t'ai appelé donc. Oui. Apparemment, il s'agit de quoi? Des explosifs, je sais pas. Ouais, quoi. Mais tu m'as dit que c'était quoi? Toi, t'as regardé. Un napal, oui. Un napal. C'est un napal, hein. C'est à l'époque. C'est ce que les bateaux explosaient les autres bateaux en fait. C'est une petite. Comment on a fait ça? Ouais, c'est un genre de mine que tu mets dans l'eau et quand un bateau passe, bam quoi. Ouf, ouais, un napal, en tout cas, c'est un napal. Voilà, les gars. Donc, apparemment, on a fait la découverte. Donc, ce matin, c'était un obus. Et aujourd'hui, enfin, là maintenant, en fait, c'était aussi ce matin. En fait, on est déjà l'après-midi, mais ce matin, donc, c'était un obus qu'on a trouvé. Et apparemment, maintenant, c'est un napal. Je viens de faire de la barre à trop du cul, quoi. Tu fais le malin ou quoi? Qui fait le malin là? Je viens de faire des tractions là. Hein, je vais tous vous casser en deux. Avec ses petites potes. Qu'est-ce que je fais? Je tente de tirer un peu. Ah, il y a des choses qui sont bien à la patate. Les deux sont un peu chers. Plaque de sens. Ouais, j'ai pas encore. Vas-y, tire. Lourd? Ouais, il vient. Il vient. Ah ouais. Il vient. Ah ouais. On la voit bien là. Aïe, aïe, aïe. Ouais! Ouais!
Ouais, ouais, il est là. J'oserais tirer encore avec la camionnette. Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on tire avec celui-là, avec la camionnette. Parce que l'autre, en fait, il est vraiment au bord. À bras, c'est chaud, hein. Ah, l'odeur. Filme ça, regarde, filme tout le sens autour. Jette ta clope. Hein? Jette une clope. La tâche de sens est énorme. C'est beau, hein? On est occupé à faire une dépollution énorme. On est avec les grappins, le matériel qu'on a acheté hier. Comme vous voyez, le matériel qu'on a acheté hier, on l'a pas acheté pour rien. Évidemment, on savait qu'il y avait certaines choses à sortir. Ici, on avait un doute sur un scooter parce que Kevin était déjà venu faire de la pêche à l'aimant. Et donc, lui, il croit que c'est un Piaggio, c'est ça, trois roues. Voilà. Donc, merci à Kevin de nous avoir offert le spot. C'est à lui que je dédicace cette vidéo. Un grand merci, Kevin. La selfie, hein. Oh là, c'est Ahmar, c'est pas vrai. Oh là, c'est Ahmar. Allah, j'ai jamais vu ça. Et c'est là qu'on se tape un contrôle maintenant. Un contrôle de flic. Bonjour monsieur, ce que vous faites là, faites la pêche à l'aimant, en slip. Je peux arrêter pour nous. Mais je peux arrêter. Je peux remettre ma salopette. Non monsieur. Je vais faire un zoom sur ce que je vois. Oh ouais, merde. Ah ouais. Je l'ai vu. Il l'a eu. Dis-lui, M. Kevin. J'avais envie de quitter. Nous, on est des gens sympas. Tu nous invites une petite bière ou quoi, on vient. Moi, j'irais bien le réaccrocher de nouveau une deuxième fois. Ah ouais, fois. Ok. Tu vois, plus mais merde, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est mort avec? Ouais, il y a un cadavre juste en dessous du mouton. Bah ouais, non, je rigole, je plaisante. Mangé par les poissons, non, ouais, je plaisante. Mais... Non, mais attends, c'est glauque. Attends, hein, pas une moto dans. Qu'est-ce que ça glisse, là? Et quand vous allez à la péniche? Il y a tout, madame. On a trouvé un obus, là, tantôt. Où je disais, on est en train de dépolluer, où il vit. Mais là, maintenant, c'est les bras. C'est les bras. Ah, mais ma camionnette bouge. Maximum de likes et d'abonnés, les gars. En soirée, donc en petit nocturne, encore une fois. J'ai pas fait de vidéo parce que mon téléphone est complètement à plat. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. Donc, voici un petit magnum dont on va faire une belle restauration. Montre à la lumière. Derrière nous, il y a Kevin qui est en train de nous dire qu'il a encore trouvé des balles à ceinture, j'imagine. Et voilà déjà ce qu'on a déjà trouvé en balles à ceinture sur la soirée. Et là, on va encore nous en étaler. Voilà, on en étale encore. Il y en a d'autres. Il n'y aura que ça. Ouais, à mon avis, on va en trouver un paquet.
Voilà. Jolie trouvaille. Ceci qui va partir en restauration, qui ne fonctionnera bien sûr pas après la restauration, vu son état, ça c'est certain. De toute façon, s'il était en état de fonctionnement, on aurait appelé la police. Hein. Bonne soirée. À quelle heure on termine la boudouche? Exactement, il est 5h, je crois. Non, il est 6h30 du matin. Toi, tu es déphasé complètement. Ouais, je... Et donc voilà notre amas de ferraille derrière, qu'on a ramassé. Pas mal encore. Hein. Donc voilà, donc une bonne journée hier, une bonne soirée aujourd'hui. Vous voyez, je suis bien fatigué. Il est 6h30 du matin, là maintenant on a rangé nos aimants. Et c'est fini, hein, on termine. Un maximum de j'aime, un maximum d'abonnés pour ce genre de travail, d'évolution.